ceux qui font la vaisselle. Manu, c'est le grand jour du nettoyage, hein, c'est le classique avant l'arrivée. Ouais, on nettoie tout. Là, je fais. On est responsable des toilettes, des douches. Ça vient des douches, c'est ces morceaux-là. On les nettoie dehors, il faut les laver et les remettre dedans. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, la partie douche, mais là en plus c'est le grand ménage. Oui, donc on en met un coup en plus, on va dire. Ah, absolument, c'est plus sérieux. Serviette dans le couloir, ouais. J'ai couleur. So come convince your mirror, as you've always done. That made you Tom the curious, that makes you James the weak. On a sali là pendant les 15 jours, donc c'est normal que pour ceux qui arrivent, bah, ce soit propre. Pour nous, c'était propre quand on est arrivé, donc voilà, tout à fait normal. Toi, c'est quoi ta corvée? Nettoyage des toilettes, des douches, et voilà. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Ok, merci. Mais bon, ça va, c'est propre, hein. Je crois que les gens bien pris soin tout le long de l'étape, là ça va, c'est pas très sale. Non. Il y a plein de trucs. Non mais eux doivent déjà s'y aller. Donc Nico, là c'est quelle partie du grand ménage ici? Là on est dans la cale avant. En fait le problème d'ici c'est qu'on a eu un peu d'eau en fait qui est tombée, c'était pas complètement étanche, du coup bah, tout est un peu trempé, c'est du sel donc il faut rincer. Il y a aussi toute la partie, c'est la cambuse du bateau, donc c'est là où on garde la nourriture, et du coup il y a pas mal de trucs qui peuvent pourrir un peu, donc il faut essayer d'éliminer un peu tout ce qui est usé, tout ce qui est vieux.